Bienvenue, aujourd'hui je me retrouve dans la forêt de Carnoëtte, proche de la ville de Quimperlé. Alors c'est une forêt que je voulais te faire découvrir tout simplement parce qu'elle est immense, elle fait en tout 750 hectares. Donc si tu viens dans la région et que tu veux te balader en forêt ou faire des balades en VTT, bah, je pense que là tu as réellement moyen de t'amuser. Alors ce qui est marrant, c'est que dans cette forêt il y a beaucoup de vestiges, on retrouve beaucoup de choses qui ont servi à autrefois, que ce soit des fours à bois, mais également les vestiges d'un ancien château. Alors il y a toute une légende autour de ce château, notamment comme quoi il y avait un seigneur sanguinaire qui décapitait les gens. Une histoire fort sympathique. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'aime bien venir dans cette forêt me promener, tout simplement parce que au détour d'un chemin, tu peux tomber sur un vestige, un ancien truc, et ça c'est quand même assez cool. Alors moi ce que je te propose, c'est que pour l'instant on va suivre le chemin et ensuite après je vais m'enfoncer dans la forêt. On va aller faire un petit feu de camp, je vais simplement me rassasier, il est à peu près midi et demi, 1h, et donc je vais manger autour d'un bon petit feu de camp, voilà. Chemin, on voit encore, il y a des traces. Il devait y avoir avant un chemin qui passait par là. En tout cas, c'est ça que j'aime bien avec les forêts et tout ça, c'est tu viens, t'es tranquille, tu croises personne et tu peux te faire un petit feu de camp, tu manges tranquillement. Et ça, tu peux le faire en famille, entre amis ou tout seul. Et ça permet vraiment de profiter de la nature et de profiter de ce qu'elle a à nous offrir. C'est bon, le feu a pris et puis moi je vais m'installer tranquillement et puis je vais manger aussi tranquillement.